Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui une petite vidéo très courte, très rapide. J'ai reçu un énième mail, une énième arnaque, Le Bon Coin, tout à l'heure. Donc ça m'énerve. Donc ce qu'on va faire, je vais donc appeler ce numéro et on va voir en direct ce qui se passe. Voilà, j'appelle ce numéro. On va voir qu'est-ce qu'il répond. Alors on écoute, hein, bien sûr. Ça répond pas. Allô? Oui, bonjour. J'ai vu que vous m'avez laissé un message par rapport à mon annonce dans Le Bon Coin. Vous avez reçu un email de la part de Madame Petrine, c'est ça? J'ai reçu un message par rapport à mon annonce dans Le Bon Coin, oui. Oui, c'est de la part de Madame Petrine, c'est ça? Oui. D'accord, alors je vous passe le numéro de Madame Aubin, comme ça vous pouvez la rappeler directement sur son téléphone. Vous avez de quoi noter? Écoutez, je vais prendre de quoi noter. Attendez, je cherche un stylo. Alors, un stylo, mais oui, mais c'est bizarre que je ne tombe pas directement sur elle. Alors, enfin bon, bref, donnez-moi... Oui, puisqu'elle reçoit beaucoup des appels pendant toute la journée, il faut passer par le standard tout d'abord. D'accord, alors, je note son numéro, dites-moi. Alors, 08... Oui. 90... 08 90... 43... 43... 06... 06... 58... 08 90 43 06 58... D'accord, voilà. Mais c'est un numéro surtaxé, ça, non? Oui. Ah, d'accord, parce que je comprends pas pourquoi j'ai un numéro. Là, je vous ai appelé sur un numéro qui est pas surtaxé, là. C'est un numéro professionnel, monsieur. D'accord, mais non, là, pendant que je vous appelle, je paye pas, là. Oui, c'est le standard. Ah, c'est le standard, d'accord. Et là, vous me renvoyez... D'accord, et vous me renvoyez sur un autre numéro qui est payant, en fait. Bon, d'accord, bizarre. Ok, bah écoutez, bah je vous remercie. Voilà, merci, au revoir. Alors voilà, comme vous voyez, j'ai complètement improvisé cette vidéo. Je suis sorti du champ quelques instants parce que je voulais quand même noter ce numéro. Alors voilà, l'exemple typique de l'arnaque. Vous avez un numéro d'une box, donc vous appelez serein. Vous n'êtes pas à vous faire avoir. Vous avez quelqu'un qui manifestement fait ça toute la journée, qui décroche, qui prend les appels et qui donc donne un autre numéro qui lui est surtaxé. Alors bien évidemment, je ne vais pas le composer parce que dans le meilleur des cas, ça va me coûter très cher. Et c'est une personne qui va sûrement vous tenir longtemps au téléphone pour pas grand chose ou qui va peut-être essayer de vous vendre quelque chose. Voilà, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, voilà. Une annonce qui m'énerve, vous posez une annonce sur Le Bon Coin, vous recevez un message, vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux et donc vous appelez ce numéro. Alors l'arnaque, l'intérêt de l'arnaque, c'est quoi? C'est qu'ils envoient X mails à X milliers de personnes et forcément dans le tas, il y en a quelques-uns qui ont vraiment mis une annonce sur Le Bon Coin, qui donc vont donc appeler ce numéro. Alors voilà, vidéo totalement improvisée, je suis agacé. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. À bientôt.